La semaine prochaine à l'Onyx de Saint-Herblain le 31 mars, à Rennes le 13 avril et à Fontenay-le-Comte le 7 mai. Alors du cinéma à présent, et on a failli avoir à nos côtés le parrain des rencontres de courts-métrages de Trente Mous, Jean-Loup Hubert. Oui, alors c'est dommage, il est souffrant, ce sera peut-être pour plus tard, mais ça ne nous empêchera pas de parler des courts-métrages de la Guinguette. C'est une première à Trente Mous, près de Nantes. Une dizaine de réalisateurs de la région présenteront leurs courts-métrages ce soir. Sur place, Nicolas Bautruche, Olivier Blin ou encore Emmanuel Petit. Alors le but de ces rencontres, c'est bien sûr de défendre la création et surtout d'offrir un lieu au cinéma local. Un rendez-vous qui pourrait bien devenir trimestriel. En avant-première, un extrait de la comédie de Franck Gilbert. Moi, comment il aime se conditionner l'humain, entasser les uns sur les autres. Moi, ça me dérange pas les visiter derrière un grillage. Ils sont plus enfermés que moi. Nos échanges ne pourraient pas élever l'esprit humain. Le rendre plus extraterrestre, quoi. Ça va être très difficile. Moi, si je t'aide, c'est justement pour éviter d'être contaminé. Parce que le virus de la planète, c'est l'homme. Il n'y a pas plus résistant que la bêtise humaine. Tu comprends ça? Viens. Et l'entrée est gratuite. Merci Christelle. Avant de nous quitter, les adieux de notre directeur régional, Jimmy Joncard, qui était à la tête...